La députée de Sandwich Gulf Islands. Merci, Monsieur le Président. J'espère que je vais pouvoir être bref. J'aimerais que le député de New Westminster Burnaby éclaircisse la position du NPD sur l'étude des femmes autochtones disparues et assassinées qui a recommandé la fermeture des camps BAM avec la propagation de la COVID en Alberta. Le centre, l'épicentre, c'est les sables bitumineux. Donc, il y a, que ce soit pour le site C ou le TMX. Le député peut-il nous dire ce que le député de Burnaby Sud voulait dire lorsqu'il n'a pas répondu à sa question, la question de la députée de Nanaimo Lady-Smith hier? Est-ce qu'il fermerait ses camps? Le député de New Westminster Burnaby. Bon, cette question était très chargée, hein? Il me reste que 30 secondes. Je n'ai pas vraiment eu de questions là-dessus. Hier, la députée se trompe, malheureusement. Elle se trompe aussi à propos du TMX. J'ai visité le site de TMX. Le député de Burnaby Sud et le caucus du NPD ont poussé fort, comme le sait la députée. C'est pour ça que le directeur parlementaire du budget a fait une étude, a révisé l'étude qui avait été faite sur TMX et les coûts estimés. La réalité, c'est que TMX n'est pas dans l'intérêt de notre pays. Plus de 18,5 milliards de dollars que le gouvernement veut y injecter dans Trans Mountain. Il faut plutôt investir cet argent dans l'énergie verte et dans une transition juste et équitable. C'est ce dont nous avons besoin si on veut vraiment lutter contre les changements climatiques.